Salut à tous, c'est Tristan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Il est très tôt le matin, il est à peine 8h et je vais faire une petite réaction du coup au son de Kobala Defeat Freeze Corleone qui est sorti à minuit. Ça s'appelle 7 sur 7. Bon, je pense qu'ils vont quand même sortir le clip aujourd'hui parce que Kobala Day, il l'avait teasé un peu, etc. Mais là, je voulais vraiment réagir du coup vraiment au son. Donc, c'est parti, on va l'écouter. Freeze Corleone qui s'élargit en termes de feat et avec les gens avec qui il feat. Avant, il faisait vraiment que avec la secte, des proches, avec Lionzon, etc. Là, vraiment Kobala Day. Ils sont un peu différents. Voilà, je m'attendais pas trop à une collab entre les deux, mais bon, on va voir ce que ça donne, pourquoi pas. Hein. Je vais écouter avec mon casque parce que bien évidemment, il est 8h du matin, je vais pas mettre l'enceinte à fond comme j'avais fait pour l'écoute de LMF. Donc c'est parti, on va écouter le son et vu que là, il y a qu'un seul son du coup et que c'est pas un album, bah je vais essayer un petit peu de regarder les paroles plus, etc. Donc c'est parti, on le met, on est parti. Désolé pour ma tête de fatigué. Ça, je l'avais vu dans le teaser. Je bombe pas tout Paname, je suis en Lamborghini, je les vends en Uber et je me moque. Comme d'hab, c'est nous l'actu. Comme d'habitude, c'est nous l'actu. J'ai pris des thunes, pas d'habit luxe, plein de DM que t'as jamais vu. Si t'entends un bolide de l'autre côté de la vie, c'est Chugui, les bourrés, il fait des dérapages. 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Shenzhen, Koba, on a leur coup sous la semelle. J'ai 200 sous ma semelle, des liasses dans ma chaussette. Mes pieds qui sont de l'herbe pour le bénéfice. Shenzhen, Koba, Chief Kif Fredo. On est là pour le cash, pétasse, file vite les dos. Très loin dessus d'eux comme si je visite les dos. J'ai fait un rêve où j'ai exécuté 10 000 pédos. 6-7-7, SOBS, négro, SO next level. SO le black, matrixé par The Wire. Repère comme Stringer, Bell et Barks, Del Heaven. 2-2-1, DK2-9-3-9-1. Aucun stress, fan match, 9-1. SO Jack Money, SO Juicy P. Tous mes triple OG du 9-1. On est devant comme Aubameyang et la casette. Négro, ils savent comment je me sens dans la A7. SO le roi, on sait ce qu'il y a dans la cassette. On fait du bif avec ou sans la SACEM. Négro, je suis devant la cage comme Neymar JR. Tous les jours, cible que du lin, négro, pas de BR. On investit dans des méthodes, la PR. Négro, je demande la même chose à chaque prière. 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Shenzhen, Koba, on a leur coup sous la semelle. Équipe. Ok, donc c'était Kobala Day feat Freeze Corleone. Première écoute, je trouvais ça vraiment bien. Faut que je regarde sur Genius s'ils ont pas déjà les paroles. Ok, donc ça commence par les petits gimmicks, voilà, des salages des équipes, etc. Ensuite, couplet de Kobala Day. Couplet, j'ai envie de dire, assez classique, même si derrière l'instru, elle est assez incroyable. Voilà, il fait ce qu'il sait faire. Du coup, il y a pas mal de gros mots, d'insultes et tout. Je sais pas si j'ai mis beaucoup d'extraits du couplet, mais franchement, il était pas mal. Et puis le refrain, c'est vrai qu'il est pas mal entraînant. Moi, j'aime vraiment bien le refrain, surtout Freeze Corleone. Ils ont mis un effet sur sa voix, enfin sa voix, elle sonne vraiment différemment et c'est plutôt bien. Faudra que je réécoute quand même le son, hein, mais première écoute déjà j'aime bien. C'est là que tu vois la différence quand même entre Kobala Day et Freeze Corleone. Genre Kobala Day par exemple, tu vois, il y a tout son couplet là sans rien, et dès que ça passe au couplet de Freeze Corleone, il y a que des gens qui vont aller chercher des références tout chaque phrase quasiment, sauf la dernière. Ah ouais. Bon, je vais pas vous mentir, je dois prendre mon bus dans pas longtemps, donc je pourrais pas regarder toutes les refs et tout, mais bon. Ok, donc il compare Freeze Corleone et lui-même à Chief Keef et Fredo Santana, qui il a beaucoup cité d'ailleurs dans ses sons. Ah ouais, mais d'accord, ils mettent la bio de Chief Keef et tout. Ah ouais. Ah ouais, mais ils vont trop loin les gens, ils disent. On voit beaucoup de chiffres aussi dans numérologie. Ah ouais, ils partent loin. En fait, j'ai l'impression sur Genius avec Freeze Corleone, c'est vraiment la chasse à celui qui aura la référence la plus deep, celui qui va aller le plus loin et tout. On fait du bif avec ou sans la SACEM. Il a fait quelques références à des joueurs de foot, Neymar, Lacazette, Aubameyang, quelques SO, etc. Enfin, franchement, il reste dans ce qu'il sait faire aussi. Je pense quand même on a déjà eu mieux en termes de couplet avec Freeze Corleone, mais moi j'ai bien aimé, ça passe bien avec l'instru derrière. En plus, il change de flow à un moment. Et vraiment, l'outro, c'est juste équipe. Donc, c'est plutôt positif. Après évidemment je vais le réécouter, d'ailleurs je pense que je vais juste le réécouter dans le bus là dans vraiment 15 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous de ce son dans les commentaires. En tout cas le clip normalement il sort bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Tristan. On se retrouve la prochaine fois, allez ciao. Voilà, on se tire. 7 sur 7 ça fait du cash toute la semaine. Shenzhen.